ça se connecte. Bonjour Anne. Ce matin, donc, comme je vous ai dit sur la publication, bonjour Jacqueline, je remplace Abdel qui me remplacera demain matin. Voilà. Allez, ça se connecte. Ben, il est l'heure, il est 10h. Alors, donc ce matin, je vais vous faire le body sculpt avec une chaise. Voilà. Prévoyez votre tapis. Une chaise sur le tapis pour pas que la chaise glisse. Vous pouvez prévoir aussi un coussin. Comme ça, quand on se posera sur la chaise, vous remettre le coussin sur la chaise. Voilà, bon ben, on va commencer. Allez, c'est l'heure. Allez, on y va. Ok, allez, on y va. Les jambes légèrement écartées. On inspire. On expire. Encore. On inspire. On expire. Et on pousse les épaules vers l'arrière. Hop, encore. Poussez-les vers l'arrière. Faites des petites rotations. Ok. Allez, ça se connecte. On y va pour le renfort avec la chaise. Ok. Allez, on pousse. Hop. Et droite, gauche. Hop. Hop. Encore. Et hop. Allez, on souffle. On fait travailler un petit peu les articulations des épaules. Bonjour Jacqueline et Jean-Luc. Ça fait plaisir de vous voir. Enfin, de vous voir, de vous lire. Allez, on y va. On plie. Droite et gauche. Donc comme je disais, je remplace ce matin Abdel. Donc demain, il prendra ma place. Et là, on va faire un cours de renfort avec une chaise. D'accord? Donc vous prenez une chaise à côté de vous, un tapis, la chaise par-dessus le tapis, en haut. Et puis un petit coussin pas loin. Voilà. Encore. Bonjour Anne-Marie. Allez, j'espère que vous allez faire le coup en fou avec la chaise. Devant. On tourne. Allez, on plie la jambe en même temps. Voilà, en haut. Les deux. Allez, on allonge les bras. Et on pousse devant. Allez. Allongez bien la nuque, allongez la taille. Serrez le nombril. On revient, on plie. Allez, pliez bien. 5, 6, 7. Restez tout petit, tout petit. Hop. On ouvre les genoux sur les côtés. On pousse le talon droit, le talon gauche. On chauffe les chevilles. Encore. 6, 7, les deux, hop, on descend, on monte, juste les talons, encore, allez, on pousse sur les talons, et là, on reste, restez, voilà, allongez les bras, tirez par le bout des doigts, descendez, attention à vos genoux, les genoux ils ont tendance à aller vers l'intérieur, on pousse les genoux vers l'extérieur. On se redresse. Ok. Allez, ça se connecte. Ça se connecte. J'espère que vous allez pouvoir toutes ou tous faire le coup. On pose les mains sur les cuisses, on pousse les épaules pour travailler la taille. Les jambes sont fléchies. Encore. Donc, la chaise sur le tapis comme ça elle glisse pas, elle est bien bloquée. Allez, on descend un petit peu plus et cette fois-ci je vais mettre les mains sur le sol. Encore, encore, je plie droite gauche pour chauffer. Ok, allez, on revient, on déroule le dos, on remonte, on se redresse,
on va chauffer un petit peu les épaules, les poignets. Vous vous mettez de profil, les mains sur la chaise. J'éloigne les pieds. Donc le poids du corps est bien vers l'avant. Juste on appuie sur la chaise. Les épaules bien descendues. Comme ça on chauffe un petit peu les abdos, les poignets, les épaules. Voilà. Restez. Encore. C'est bien. Ok. Ok. On amène le pied. On revient. Hop. Et on recule. D'accord? Donc j'amène droite, j'emmène gauche et je reviens droite et je reviens gauche. Comme si je voulais me mettre à genoux. Ok? Droite, gauche, je serre le ventre, je baisse les épaules. Encore. Et je reste. D'accord? Ok? Allez, on va rester plié. Comme si je voulais m'agenouiller, mais je ne le peux pas. Voilà. Je retiens le mouvement. Ça chauffe un petit peu les abdos. Les bras, bien sûr, les poignets. Voilà. Et je reviens. À nouveau tendu. J'allonge mes bras. Hop, j'étire la colonne. Étirez loin. Voilà, ça permet de relâcher un petit peu les épaules. Et on revient. Ok? Maintenant, c'est gauche-droite. On y va. Gauche-droite. On revient. Voilà. On baisse bien les épaules. Encore. On pousse. Allez. Encore. On allonge la nuque. On serre le ventre. On baisse les épaules. Ok. On reste plié les deux jambes. On appuie comme si on voulait s'agenouiller. Mais on ne fait pas. D'accord? On fait attention par les épaules qui s'enfoncent. On dégage bien les épaules. On ne sort pas les fesses. Voilà. Et on revient. Hop, on recule, on allonge le dos. Allez, là on a chauffé un petit peu les bras. Ok. On va passer à genoux. Vous allez mettre la chaise devant vous. Alors, moi je vous conseille de bien mettre votre chaise sur le tapis pour pas que ça glisse parce qu'on va faire hop, des pompes triceps. Voilà, j'amène la poitrine à la chaise, les coudes serrés et je remonte. D'accord? Si toutefois votre chaise glisse, vous la posez contre le mur. Vous mettez quelque chose derrière, vous vous appuyez sur le mur. D'accord? Allez, on serre bien les abdos. On n'est pas en arrière, comme ça on avance le poids du corps vers l'avant. Et c'est parti. Hop. Allez. On pousse et on souffle en remontant. On souffle. Allez, on souffle bien. Encore. Attention à la chaise, elle ne doit pas glisser. Hein, elle ne doit pas glisser. Hein. Gardez bien le tapis sous la chaise, comme ça. Prenez bien appui au sol. Voilà. Serrez bien les coudes. Et on revient, on allonge le dos. On étire la colonne. On tire, on tire. On revient. Hop. On se replace. Allez, on serre bien les abdos. On descend. Alors, pour celles qui veulent un peu plus de difficulté, vous pouvez tendre une jambe. Ok. Et les personnes qui veulent plus aussi de difficulté, vous pouvez vous mettre en appui sur les pieds. Ok. Faites attention de ne pas creuser les lombaires. Hein. Je vous laisse continuer à votre rythme. Comme ça. Comme ça. Hop. L'autre jambe, si vous voulez. Hop. Voilà, ou alors on termine comme ça. Ok, allez. Plus que deux fois. Et je reviens, j'allonge le dos. J'étire la colonne. Ça va? J'espère que tout va bien. On va continuer avec les bras. On va se mettre de profil. On va mettre les mains sur les côtés. On va garder les jambes pliées. On éloigne les fesses un petit peu, mais elles rasent l'assise de la chaise. Je vais, comme si je voulais, poser mes fesses au sol et je remonte. D'accord? Si vous avez mal aux épaules, vous n'insistez pas, vous faites tout petit ou plus haut sur un meuble un peu plus haut. Allez, un, et je souffle. Deux, allez, trois, quatre, je souffle en montant. Cinq, six,
et 4 et 3 2 et 1 et je relâche. Allez, je relâche le poignet, je reviens, j'en profite pour travailler un petit peu les jambes, je monte, je descends, hop. Et hop, à chaque fois j'essaye de poser, je pose mes fesses sur la chaise, voilà, ah. Je souffle bien. Allez, encore, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, et je reste, les fesses sont à peu près au niveau de la chaise, et je fais tout petit, hop, je touche la chaise et je remonte, tout petit, tout petit, allez, je touche, tout, 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 tout petit, allez. Ça chauffe les cuisses. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je reviens. Ça va? Ok. On se met de l'autre côté. On appuie sur les mains. On éloigne les pieds. On reste. Toujours travail des bras. Là aussi les abdos. On reste. Soufflez bien. C'est de votre ventre. Attention, j'alterne les cuisses. Je vais faire pli, pli, hop, hop. Attention, vous mettez bien votre poids du corps au-dessus de la chaise. D'accord? Pour pas pousser la chaise. Bien au-dessus. Hop. Allez. Je reste 5, 6, 7. Encore, encore. Allez, comme si je voulais marcher. Hop. Hop, hop, et je reviens, je relâche, je relâche. Soufflez, j'espère que tout va bien. Encore, allez, restez, soufflez. Ok, on va continuer, on va travailler la jambe d'appui. Hop, la jambe droite au sol, la jambe gauche sur la chaise. D'accord? Ok, on est en appui sur la chaise. Avec les fesses, on va chercher loin derrière et on remonte, d'accord? Allez, on y va. On monte. On souffle bien en montant, hein? Voilà. Encore. Allez. Hop, 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 on va plier.
soutiens. Et on revient, on relâche. Soufflez, soufflez, relâchez. Ok, soufflez. On va continuer. Comme tout à l'heure, on va s'asseoir et se relever. Mais cette fois-ci, on va rajouter une jambe tendue devant. D'accord? Quand vous êtes sur la chaise, vous n'êtes pas enfoncé ni arrondi. On est au milieu, on est redressé. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée, les épaules descendues. Attention, c'est parti, je monte. Et je reviens. Deuxième, et je reviens. Troisième. Allez, la jambe, les jambes fléchies devant. Hein. Quatrième. Et je souffle, je monte. Cinquième. Et je souffle. Six. Allez. Sept. Huit. Deuxième fois. Allez. Ok, on revient.
On pose les mains au sol. Et on lève le bras droit et la jambe opposée. Toujours jambe opposée. Voilà. Encore. On souffle. Soufflez bien. Hop. Encore. Baissez bien vos épaules. Hop. Baissez bien vos épaules. Allongez votre nuque. Vous sentez le travail du dos et le travail de votre fessier. Ok, maintenant je monte et je dresse une jambe, un bras. Bras droit, jambe gauche, on va dire. Voilà. On reste encore et après on reste. On souffle. Ok, attention, je change de côté. On y va, on reste. On reste. On allonge la nuque. Voilà, on serre bien fessier. Travail du dos, travail des paravertébraux. Restez. Et cette fois-ci, je monte, j'ouvre le bras, je reviens et je redescends. Je monte, j'ouvre le bras, je reviens et je redescends. J'alterne à chaque fois, j'alterne. Ok? Je souffle. J'inspire. Et je continue. Souffle. Il n'y a que le bras qui bouge, hein. La jambe reste là-haut, voilà, et je redescends les deux en même temps. Ok, j'espère que ça chauffe un petit peu le dos, ce qui est normal, hein. Travail de vos muscles, du dos, allez, encore, baissez en même temps, hop, 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 et on monte à nouveau. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas bien placé, montez à nouveau vos jambes. Gardez les mains au sol. Voilà. Comme ça, vous n'êtes pas hyper cambré, mais vous serrez vos fessiers. D'accord? Serrez vos fessiers. J'ouvre et je ferme. Allez, j'ouvre et je ferme. J'ouvre et je ferme. Tout petit. Je serre, je serre, je serre, je serre. Allez, je souffle. Hop. Je serre les fessiers en même temps. Allez, on sent les fessiers. Et le dos. Ouais, travail du dos. Super. Allez, encore. On baisse bien les mains au sol. On relâche bien les épaules. La nuque. Tout petit. Je reste talon, talon. Tap, 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 tap. Voilà. Souffle bien. Encore. On continue. 5, 6, 7, 8. Je pose. Ok. Je peux passer sur les genoux. Je relâche le dos. Allez, on relâche, on étire la colonne. J'espère que tout va bien. Buvez un petit coup si vous avez soif. Buvez un petit peu. Allez, on s'hydrate, on boit. Allez, c'est bien. On va continuer. Allez, on va continuer sur les avant-bras. De gainage. Allez, là vous avez plus qu'habitude. Hein. Gainage, on reste. Soufflez bien. Serrez vos abdos. Encore. Attention d'aplatir votre dos. Attention, on a tendance dans cette position, un petit peu, moi aussi j'ai tendance à le faire, c'est arrondir le dos comme ça. Donc on essaye de serrer ses omoplates, de les baisser. Et ce qu'on essaye aussi, c'est de ne pas sortir ses fesses comme ça. On essaye d'allonger la colonne, d'allonger ses lombaires. On reste. Allez, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Allez, allez. Encore, encore. Allez, soufflez. Ok. 5, 6, 7 et 8. Je reviens. Hop. J'espère que ça va. Allez. Ok. On repasse. Cette fois-ci. Sur les genoux, comme si je voulais m'agenouiller, mais je ne m'agenouille pas, je reste. Ok, aïe aïe aïe. Ok, vous êtes prêtes? On va lever la jambe droite et hop, et on change. On change droite gauche. Voilà, sans toucher le sol. Hein. Mettez bien votre poids du corps vers l'avant pour que la chaise ne glisse pas, surtout la chaise sur le tapis, c'est important, comme ça, ça ne glisse pas. Allez, soufflez bien, encore, encore. Allez,
on fait le côté droite et gauche. Voilà. Sans bouger le dos, avec le bout des orteils, vous allez chercher loin sur le côté, sans bouger le dos. Hein. Serrez votre taille. Encore. Allez, soufflez. Allez, encore. Encore, encore, encore. Et deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Allez, vous relâchez. Allongez le dos. Et essayez de vous étirer. Soufflez bien. J'espère que tout va bien. Ok, on revient. On se replace sur les avant-bras cette fois-ci. On reste. On est parti pour le grimpeur. On va chercher cette fois-ci la jambe sur le l'extérieur. On va chercher le pied de la chaise opposée. Pied de la chaise opposée. Hop. Voilà, presque. Moi, je touche le pied de la chaise. Ouh. Voilà. Encore une série. Un. Et deux. Serrez bien vos abdos. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Et vous relâchez. Soufflez. Relâchez vos bras. Ça va les épaules. Soufflez. Ok. On va se mettre sur la chaise. En fait, on va positionner le genou gauche sur la chaise, ok, et on va tenir la chaise avec les mains comme ça. Bien, attention de pas, mettez bien, alors si le genou, si le coussin vous gêne, vous l'enlevez, si vous n'avez pas mal au genou, et là on va essayer de pousser la jambe un peu sur le côté, et là on lève, d'accord, on y va, c'est parti, allez, 1, et on monte, 2, et on 3, 4, 5, allez, serrez bien. 6, allongez la taille. 7, allongez la taille. 8, descendez bien. Encore. Et 1, allez. 2, 3, 4, 5, allez, montez bien. 6, 7, allez, ça va, j'espère que tout va bien. Troisième. Allez, 2, 4, 5, 6, 7, 8, on démonte en 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez jusqu'en bas, deuxième et 1, 2, 3, 4, allez encore, troisième. Et je reste. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, on relâche. Soufflez. On allonge le dos. J'espère que tout va bien. On change la chaise. Enfin, moi, je change la chaise de côté pour que vous puissiez me voir. On met l'autre jambe, l'autre genou. Comme je vous disais, hein, vous pouvez prendre un coussin si vous voulez pour votre genou. Hein. Ok. On en appuie sur le genou. Les mains tiennent la chaise. Attention de ne pas partir vers l'avant. Hein. Vous mettez bien votre poids du corps au milieu de la chaise. Ok. La jambe légèrement sur le côté. Un. Allez. Deux. 3, 4, 5, 6, serrez bien vos abdos, hein, 7, 8, deuxième fois, 1, et 2, 3, 4, soufflez bien, 5, 6, 7, 8, troisième, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on le fait en deux temps. On
bien. Allez, allez, encore une série. Hop. Et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deuxième. Et 1, 2, 3, 4, serrez bien votre fessier. Allez, encore une fois. 5, 6, 7. Et on relâche. On souffle. Allez, j'espère que tout va bien. Ok. Allez. On va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au sol. Et on va se mettre sur le côté. On va travailler les adducteurs. Ok. On se met, on s'allonge. Une jambe, vous pouvez éloigner la chaise un petit peu. Voilà, vous mettez votre pied. Voilà, on va dire que j'ai la... Là, j'ai ma jambe gauche sur la chaise et la jambe droite au sol. Je suis allongée sur le côté droit. Je serre la taille, le pied et tout au-dessus de la chaise. Et je monte et je descends. 1, 2, 3. Allez, on va chercher sous la chaise. Allez chercher sous la chaise. Encore, sous la chaise. Voilà, super, super. On reste petit, on touche la chaise dessous. Touchez la chaise comme si vous laissez les serrer. Encore. 1, 2, 3, 4. Allez, je touche. Je touche dessous. Encore. Hop. Allez, ça chauffe là. Troisième. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
Très bien. Aïe, attention. Je reste très petit. Ah, je touche dessous. Dessous la chaise. 4. Alors, touche. Encore. Allez, on souffle. Et on reste au milieu. Et 2, on ne bouge plus. 3. 4, ça doit chauffer l'adducteur. Encore, encore. Allez. On serre bien les abdos. Allez, on serre bien les abdos. La jambe est tendue. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je relâche. Ça va? Ah, je mets les pieds en bas, je me redresse sur l'avant-bras, je rapproche et 1, je suis sur la fesse. 2, je travaille les abdos. 3, allez, 4, 5, au-dessus de la chaise, 6, 7, 8, deuxième fois, et 1, allez, 2, 3, 4, 5, serrez bien vos abdos, 6, 7, et encore une série, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur la chaise, mais faites attention qu'elle ne glisse pas.
Restez. Et on relâche. Allez, on change. On tire l'autre jambe, on tire sur l'autre jambe. J'espère que tout va bien. On tend, on souffle. On reste. On tire sur la jambe vers la poitrine. Soufflez bien. Soufflez, soufflez. On ramène le pied sur la cuisse. Là, le genou est ouvert. On ramène le pied vers la poitrine. Le genou vers la poitrine. On pose le pied sur la chaise. Vous laissez sentir l'étirement du fessier. Hein? Voilà, restez. Soufflez bien. Soufflez, soufflez. Et je reviens. Allez, je me redresse. Et j'essaie d'allonger le dos, de bien étirer les cuisses. Laissez vos épaules. Allongez le dos. Vers l'arrière, il faut étirer la cuisse. Voilà, restez. Soufflez. Voilà, si vous voulez, vous pouvez vous mettre sur les avant-bras. Ça permet d'étirer le quadriceps. Soufflez bien. On revient. C'est pareil. Allez, c'est hop, on fait pareil de l'autre côté. On étire. Voilà. Restez. Vous pouvez vous mettre sur les avant-bras. Allez, on saute. C'est bien. Bien, on déroule le dos, on remonte, on se redresse, on inspire, on allonge bien le dos, on étire la colonne, on souffle bien, on va dire on inspire, on expire, soufflez, soufflez, inspirez, arrondissez le dos, relâchez la tête, les épaules, faites un joli dos rond, voilà, on revient. On décolle les talons, on relâche, encore une fois, et on relâche. Et je vous remercie. J'espère que le cours avec la chaise, le renforcement musculaire de tout le corps avec la chaise, ça a été. Et puis je vous retrouve tout de suite pour le stretching, on enchaîne. Allez, je vous dis au revoir pour celles qui me quittent. Et puis... bonjour à celles qui restent, voilà, et à celles qui arrivent, voilà. Ok, pour le stretching, une petite musique, la petite chaise, prévoyez votre chaise pour le stretching. Allez, vous pouvez enlever vos chaussures, voilà. Boire un petit coup si vous avez soif. Allez. Merci les filles. Allez, on va souffler, on va s'étirer. Vous allez utiliser la chaise. Bonjour Fabienne. Voilà, vous allez pouvoir vous installer. Vous asseoir. Thank you.
allonger le dos. Donc les pieds sont à peu près écart du bassin. Vous allongez la colonne. Vous imaginez un fil au-dessus de la tête qui vous étire vers le ciel. Et puis vous allez inspirer, montez vos bras. Et expirez, relâchez. Encore, inspirez. Essayez de vous allonger. Sur le sol, écartez vos orteils et puis vous allez tirer le bras sur le côté et tirez la taille, tirez sur votre taille. On revient et on change, on inspire, on tire côté, on revient. Avec les dorsales, les côtes, et on inspire, on se redresse, on décolle le dos et on revient. On arrondit la colonne, on descend, on allonge la colonne, on allonge les bras et on revient. Tirez de l'autre côté, allongez la taille, on revient, on inspire, on tire de l'autre côté, on étire les bras vers le ciel, les coudes vers le plafond, allongez le dos, encore. La tête et les épaules. Et on revient. On inspire. Allez, on étire les bras vers le ciel. On revient. On passe les bras devant. On fait une grande, grande ouverture. Pour relâcher. Juste la taille, hop, devant, et je reviens. En fait, je fais un grand cercle devant la poitrine, devant. Allez, on y va, on repart. On allonge le bras vers le ciel, on penche sur le côté, on va plonger vers l'avant et changer de bras. Voilà, ça permet de mobiliser la taille, de mobiliser la colonne, le dos, les épaules. Et on revient, on le fait bien. Hop, hop, on arrondit, on revient et on relâche, on étire les bras vers le ciel, essayez de bien vous positionner, pas au fond de la chaise, vraiment étirez, hein, comme je dis, ne vous enfoncez pas dans votre chaise, essayez de vous étirer, d'allonger la colonne, hein, ne vous enfoncez pas, étirez, tirez loin sur le côté. Relâchez en soufflant et inspirez encore, soufflez. Et on revient. On passe la main derrière et on pousse vers l'avant. On allonge le dos. Appuyez votre dossier. Laissez vos épaules et tirez la colonne.
relâche les bras et on va relâcher la tête devant. Côté. On revient. Inspirez. Tirez de l'autre côté. Et on revient. On relâche. On prend le bras droit. On pousse le bras vers la poitrine. On reste. On allonge le dos. Allongez la colonne. Baissez vos épaules. On va regarder l'arrière, on pivote, on essaye de garder l'épaule en bas, on revient, on passe la main sur l'épaule, allez, on va étirer le triceps, la main au niveau des omoplates. Des omoplates derrière, dans le dos. Vous poussez votre bras derrière la tête pour bien étirer le triceps. Allongez vers le dos et puis je pousse sur le côté. Soufflez bien. Ça tire bien sur le triceps maintenant. Tout le muscle du bras. Là, tout là. On revient. On relâche. On passe les mains derrière, comme tout à l'heure, on tire vers l'avant. On allonge le dos. Et on revient. Allez, on passe le bras gauche devant. On pousse le bras vers la poitrine. Restez. Baissez bien vos épaules, allongez le dos. Inspirez, expirez. Derrière. Voilà, je pivote. Je soutiens le bras. Hein. Et je reviens. Je passe la main sur l'épaule et je tire. Voilà. Le bras, la main entre les deux omoplates. J'allonge bien le dos. Voilà, je tire, j'allonge toute la colonne. Et puis je me penche sur le côté. Là, on va se pencher vers la droite en tirant sur le coude gauche. On souffle, on serre le ventre. Soufflez bien. Je bombe la poitrine, j'allonge le dos, je sens, j'essaye de tirer sur les épaules vers l'arrière. Et puis je relâche le buste vers le bas.
vous posez aux orteils, au pied devant. Voilà, j'attrape les orteils. Je mets la main droite au sol, la main gauche sur les orteils et j'allonge. Je reste. Je relâche la tête. Je vais chercher loin devant. Gardez la chaise, les pieds sur le tapis si vous ne voulez pas que la chaise glisse. Voilà. On revient. On ramène le pied sur la cuisse. On allonge le dos et on pousse vers l'avant. Votre dos, ça va permettre d'étirer un petit peu votre fessier. Allongez la colonne, allez chercher loin devant. Imaginez vraiment que quelque chose vous tire par le sommet du crâne et vous étire. Voilà. Ok. Je reste un peu plus vers l'avant. Je reste. Soufflez bien. Et je mets ma jambe sur l'autre jambe, croisée. Avec ma main gauche, je vais chercher le genou droit et je vais aller attraper derrière le dossier. Je vais regarder derrière, voir ce qui se passe. Donc sentez l'étirement de la colonne, de la taille. Essayez de vous redresser et d'aller regarder derrière. D'accord? Allongez bien votre dos. Faites une jolie posture, un dos bien droit. Vous allez chercher derrière. Voilà, vous allez chercher loin derrière. On revient. On tire sur le genou vers la poitrine. Allongez la taille. Attrapez la cheville. Tirez sur votre jambe. Voilà. Je mets le profil pour que vous voyez mieux. Voilà. D'allonger votre dos, ne restez pas arrondi comme ça. Allongez votre dos, attrapez vos orteils, tirez sur les orteils, restez. Allongez le dos, allongez, tirez sur votre pointe de pied, regardez ma pointe de pied, va vers la poitrine, ça va tirer sur le mollet. Voilà. Et je reviens. Allez, je relâche. Je change de jambe. Je tourne la jambe gauche. J'allonge le dos. Et je vais chercher loin devant. Alors, qu'est-ce que je fais? Avec ma main droite, je vais chercher mon pied gauche. Et ma main gauche reste au sol. D'accord? Ma jambe droite est pliée. Et je tire. Loin devant. Soufflez bien. Restez. Inspirez, expirez. Allongez bien le dos. Allongez. Soufflez bien. Restez. Soufflez. Tirez sur vos orteils. Allongez la colonne. Voilà, on revient, on étire, voilà, on ramène la jambe, plié, voilà, on reste, on allonge le dos et on se penche vers l'avant pour étirer le fessier, voilà, restez, soufflez bien, tirez vers la poitrine, la jambe vers la poitrine, reste. Soufflez bien. Restez. On va chercher un mot devant. Voilà.
cette fois-ci, vous allez passer votre jambe croisée devant. Voilà, bien croisée. Vous allongez votre dos. Voilà. Vous attrapez le genou gauche avec la main droite. Et vous allez chercher le dossier en vous allongeant. Vous allez regarder derrière vous. Restez. Allongez votre colonne. Restez, inspirez, allongez-vous, expirez, pivotez. Et on revient. On ramène la jambe. Et on tire la jambe vers la poitrine. Voilà. Restez, essayez d'allonger votre dos. Hein. Attrapez votre pied flex. Tirez sur votre pointe de pied. Essayez d'allonger la colonne. Et essayez de tirer sur les orteils. Jambe droite devant et puis on va pousser sur l'avant. On peut se tenir au dossier avec la main gauche et pousser, d'accord? Voilà. Alors là vous allez sentir bien sûr l'étirement du mollet, hein. Poussez sur vos fesses. Plus je pousse sur les fesses, plus je vais étirer le mollet, d'accord? On reste. On baisse bien les épaules, belle posture, on allonge le dos. Allez, allongez le dos. Et là, on va ouvrir. Voilà. Ouvrez votre bras vers moi. Voilà, restez. Allongez le dos. Et on revient. On tend la jambe devant. On reste. Restez, restez. Allongez le dos. Allongez la colonne. Restez. Attrapez vos orteils. Tirez la pointe de pied vers la poitrine. Voilà, le dos reste plat, pas arrondi. Plat. Voilà, allongez la colonne. À nouveau vers l'avant. On descend. On descend un peu plus. On plie la jambe. Allez. Oulala, ça va tirer un peu plus. Pliez, 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 pliez. Et sentir, ça va tirer un peu plus. Donc sur les orteils. On va sentir l'étirement du psoas. Le muscle fléchisseur de la hanche. Bien. Et puis on revient, on relâche, on étire les bras, on étire, on étire. Sentez l'étirement de vos épaules, de votre dos. Restez, inspirez, expirez.
continue, même chose que tout à l'heure. Cette fois-ci, je change de jambe et je pousse vers l'avant. Toujours pareil, en étirant bien le mollet, je pousse vers l'avant. Voilà, redressez-vous. Je vais sentir l'étirement du mollet. Allez, reste. Allongez vers le dos et puis vous allez ouvrir derrière. Voilà, comme tout à l'heure. Gardez la main sur la cuisse, ça peut vous aider à tenir. Et vous allez pivoter. Vous gardez votre main droite sur la cuisse gauche et vous ouvrez votre bras gauche. Voilà. Restez. Poussez sur vos fesses. Et on revient. Et on tend la jambe devant. On reste. On reste, on reste. Allongez le dos. Allongez le dos. Attrapez les orteils. Étirez la pointe du pied vers la poitrine. Voilà, restez. Allongez le dos comme tout à l'heure. Hein, essayez de vous étirer, d'allonger, de pousser le coccyx vers le ciel. Faites une petite bascule de bassin. On reste. Je pousse vers l'avant. Hop, je pousse vers l'avant. Et cette fois-ci, je plie la jambe, je m'éloigne, j'éloigne le pied, j'éloigne un petit peu le pied, je plie le genou. Voilà. Et je reste à ressentir l'étirement un peu plus de là. Voilà, restez au niveau de la hanche. Comme si vous voulez poser le genou, mais vous ne le posez pas. D'accord? On reste. On bouge plus, on bouge plus. Et on revient, on repose le pied et on relâche le dos. Soufflez, allongez la colonne. Les pieds sont parallèles. On va chercher le pied opposé. Main droite, pied gauche. Le dos est plat. On revient. On change. Le contraire. On va chercher la cheville. On reste. Soufflez bien. Relâchez bien. On tire un peu sur les deux jambes, les deux bras. On plie les genoux, on déroule le dos, on remonte, on se redresse. On revient. On va se servir du dossier qui est un petit peu plus haut, éloigné. Et allez, à nouveau, poussez sur vos bras. Voilà, allongez la colonne. Les pieds parallèles, écart du bassin. Allongez le dos. Poussez vers le bas. Étirez votre poitrine, vos pectoraux. Pliez vos genoux, allongez le dos. Et on revient. Faites un dos rond. On rentre les fesses. On se redresse. On relâche. On revient. On se redresse. On va juste se servir de la chaise pour se tenir et on va attraper la jambe droite pour tirer le talon sur la fesse. Voilà, c'est juste la chaise qui nous soutient un petit peu. On tire le talon sur la fesse. Hop.
le ventre, on allonge la colonne, on étire le dos. Poussez le genou un petit peu vers l'arrière. Allez, on en profite pour pencher vers l'avant. Allez, hop, 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 on en profite pour pencher vers l'avant. Allez, on monte, on monte et on essaye de monter le genou. On tient. Hop. On essaye de monter. Et on revient. Hop. Et on relâche. Allez, on change de côté. Hop. On tient le talon sur la fesse. On reste. On serre le ventre. On allonge la taille. On serre le tour de taille. On baisse un petit peu le coccyx et on tire le genou vers l'arrière, un petit peu le talon sur la fesse. Soufflez bien. On tire, on baisse bien les épaules. Allez, on tire bien le talon sur la fesse. On fait une petite bascule de bassin et là, hop, on se penche. On essaye de monter le genou. Allez, on étire. Allez, on essaye de monter son genou. On se redresse en même temps. Et on revient. Allez, on relâche. Et on souffle. Si vous avez mal au talon, vous pouvez mettre un coussin comme ça, hop, voilà, vous pouvez poser votre talon sur la chaise. Voilà. On allonge le dos, on étire la colonne, on se penche sur le côté, pointe de pied vers le ciel, je m'allonge, le reste est pas fermé, j'étire. J'étire, 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 j'étire. Voilà, je regarde sous les bras. Voilà, pointe le pied vers le ciel. Hop, et on revient. Cette fois-ci, je vais mettre mon pied à l'intérieur. La pointe de pied, pas vers le ciel, mais vers l'avant. Et là, cette fois-ci, je vais descendre. Donc, je m'éloigne un petit peu et je pousse le buste sur la cuisse. Je peux poser mon avant-bras sur la cuisse. Vous allez sentir, ça va étirer l'adducteur. Restez. Voilà. Descendez les mains au sol. Restez. Et puis on tend la jambe. Les deux jambes sont tendues. Je reviens, je plie à nouveau. Je replie la jambe d'appui, je descends, je descends. Je vais éloigner le pied pour ouvrir le genou vers l'extérieur. Et là, pour pousser sur mes fesses, pour bien étirer. Voilà. Ok, on est bien placé pour pouvoir pivoter. Hop, la jambe reste derrière. La jambe pliée devant. Voyez ma jambe pliée devant. Et puis vous poussez sur vos fesses. Poussez sur les fesses. Poussez, poussez, poussez. Relâchez votre pied. Poussez, 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 poussez. Allez, repliez la jambe. Pliez la jambe, vous allez sentir l'étirement du psoas à nouveau. Et vous relâchez. Vous tendez la jambe devant. Restez. Reposez le pied au sol. Pliez vos genoux, déroulez le dos. Allez, on passe la chaise de l'autre côté. Voilà.
jambes sur nos côtés. On est là. On reste la pointe de pied vers le ciel. On s'allonge. On allonge le dos. On étire. Hop. Et on se penche sur le côté. Reste bien. Voilà. Allongez. Soufflez. Fermez la pointe de pied. Voilà. Et allez chercher le sol. Pliez la jambe. Voilà. Posez les avant-bras sur la cuisse. Restez. Poussez les fesses vers l'arrière. On va étirer l'intérieur de la cuisse. Voilà. Allez, on pose les mains au sol. On reste, poussez sur vos fesses. On tend. Vous allez ouvrir la pointe de pied et essayer de descendre un peu plus en ouvrant, vous éloignez de la chaise, vous glissez pour bien étirer l'adducteur, les mains au milieu, vous restez. Allez, c'est pour bien étirer l'intérieur de la cuisse. On reste. Le genou en ouverture sur le côté. Voilà, j'espère que tout va bien. Vous devez sentir l'étirement de la cuisse, l'intérieur de la cuisse. Ok, vous revenez, vous allez pivoter. Voilà. On pivote et on pousse sur les fesses. Poussez sur les fesses. Voilà, poussez bien sur vos fesses. Ça va étirer le psoas. Vous pouvez relâcher vos orteils derrière parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier la jambe. Plier la jambe. Voilà. Avancez bien votre pied devant. Voilà, laissez partir votre genou dans l'espace. Et ça va bien étirer. Ok. On tend la jambe au sol. On ramène la jambe de derrière au sol. Et on reste. Pliez les genoux, déroulez le dos, on remonte. On se redresse. On se redresse. On relâche. Ok. On va se mettre sur la chaise. Voilà. Et on va ouvrir les jambes. Donc, je vous conseille le coussin, parce que comme ça, au moins, vous n'avez pas mal aux appuis sur les côtés. Et on va essayer de pencher vers l'avant. Donc, hop, passez le sol. Voilà. On va essayer d'aller chercher le sol. J'espère que ça va. Mettez bien votre chaise sur le tapis, hein, de manière à ce qu'elle ne glisse pas. Voilà, restez. Vous allez chercher loin devant. Allongez le dos. Allez, on revient. On étire la colonne. Et on revient. On replie. On allonge le dos. Hop. Les pieds à plat. Et on va chercher loin devant. Loin, loin, loin devant. Voilà. Pour relâcher la tête. Repliez vos bras, déroulez le dos, on se redresse. Allez, on referme les jambes, on tend les talons dans le sol, pointe de pied vers le ciel. Attention que la chaise ne glisse pas. Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est important de la mettre sur le tapis pour pas que ça glisse.
allonger le dos, tirer sur les orteils, essayer de pousser les fesses vers l'arrière, baisser vos épaules. Hein? De bien allonger le dos. Voilà, de bien étirer le dos. Voilà. Et on relâche. On inspire. Et on expire, on arrondit le dos. Arrondissez la colonne. Inspirez. Expirez. Et on va profiter de se détendre. Hop. On va relâcher les jambes sur la chaise. Voilà. Profitez vraiment. Hop. Voilà. Mettez bien vos mollets sur le coussin. Les épaules sont descendues. Et puis vous allez pouvoir vous étirer. Voilà. Tirez. Étirez la colonne. Et on revient. On relâche. Encore, on s'étire. Vous allez attraper votre poignet droit. Étirez sur votre main droite. Inspirez, expirez. Changez main gauche. On tire sur la main gauche. Sur le poignet. On étire. Et on relâche. Les bras sur les côtés, les paumes de main vers le ciel. Profitez vraiment de sentir tout le relâchement de votre dos sur le sol. Et puis maintenant, tournez la tête tranquillement de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Voilà. Inspiration et expirez, relâchez. Inspirez et expirez avec un A comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Inspirez, expirez. Relâchez vos jambes sur la chaise. Voilà, faites bouger vos genoux légèrement. Droite, gauche, milieu. Voilà, soufflez. Amenez votre genou droit vers la poitrine. Change, ramène le genou gauche. Reviens. On va s'étirer. On allonge les jambes et les bras. Et on relâche. On relâche les bras. On va essayez de se redresser. Donc, si vous pouvez, vous mettez sur les avant-bras. Voilà, on reste un petit instant sur les avant-bras. On relâche les chevilles. Vous faites des petits cercles avec vos chevilles dans un sens, puis dans l'autre. Puis vous vous redressez. Vous éloignez les fesses et vous essayez d'aller chercher
les pieds. Restez. Baissez vos épaules. Baissez. Allongez le dos. Inspirez. Expirez. On revient. On passe sur les genoux. Les épaules, la tête, soufflez. Inspirez, expirez. On ramène les mains sur les côtés. On retourne les orteils. On tend les jambes. On ramène les pieds, les mains sur la chaise. J'espère que ce cours, ces deux cours avec la chaise vous ont plu. Donc, comme je vous disais, j'ai remplacé Abdel aujourd'hui. Voilà. Et demain, merci pour les petits cœurs, merci pour les pouces. Et demain, vous aurez Abdel qui me remplacera à 9h. J'espère vous retrouver bientôt. Et je vous dis à lundi. À tout le monde, merci, merci pour tous les petits likes et pour les petits cœurs, merci beaucoup, au revoir.